l'aviron arcachonnais fêtait cette année ses 120 ans. À cette occasion, la municipalité d'Arcachon tenait à recevoir tous les membres de ce club afin de pouvoir saluer cette longévité dans une ambiance chaleureuse. Eh bien, ce soir, nous fêtons les 120 ans du club d'aviron d'Arcachonnais. Donc c'est la fin des festivités en fait, parce que tout au long de l'année 2016 nous avons fêté cet événement. Nous avons commencé au mois de juin par une régate qui a été faite sur la plage centrale d'Arcachon. Ensuite nous avons eu une soirée de gala au mois de novembre où tous les invités ont pu contempler un montage photo que nous avions fait, une exposition photo. Et puis là on termine ce soir par une invitation par la municipalité d'Arcachon qui a rappelé les liens qui unissent la ville d'Arcachon et le club d'aviron, et franchement c'était du bonheur. Ah oui, oui. C'est tout à fait symbolique en fait, comme monsieur le maire l'a dit, l'aviron fait partie du patrimoine arcachonnais, et or, quelle est la meilleure façon de témoigner du patrimoine qu'une pinasse? Donc c'est ce qui nous a été offert ce soir, c'est un beau cadeau. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Longue vie déjà, longue vie et beaucoup de résultats. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons quand même la chance d'avoir 3 médailles olympiques sur 4 olympiades différentes dans l'histoire du club. On ne va pas s'arrêter là, on va essayer d'avoir, on va aller rechercher les nouveaux vice-champions olympiques ou champions olympiques de demain. Et puis comme je le disais aussi, nous tourner aussi vers le paralympique, parce que la part des handicapés est tout à fait primordiale à notre sens. Je tiens tout particulièrement à remercier déjà tous les convives qui ont répondu présent à l'invitation de ce soir, mais également la municipalité dans son ensemble, en particulier à monsieur le maire, puisque nous avons son soutien indéfectible depuis des années. Et donc là, son invitation et cette cérémonie de ce soir est vraiment la démonstration de tout l'attachement qu'il porte à notre club, et je l'en remercie. Mais oui, parce que c'est une très belle association. Bien sûr, elle a un palmarès sportif qui participe de l'image de la ville et dont on est très fier. Mais c'est également une association qui a vocation à révéler l'identité de la ville. Elle a été créée en 1896, Arcachon en 1857. 120 ans, c'est fabuleux. Des générations et des générations se sont succédées à l'aviron et nous voulions les fêter dignement. Et je veux leur souhaiter un excellent anniversaire. Et ils ont de beaux projets. En plus, c'est un très beau club qui donne beaucoup de plaisir à beaucoup d'Arcachonnais.